Vous l'aurez remarqué, en ce moment, s'inscrire à la salle de sport, ça devient un peu un effet de mode. Mais c'est aussi un sujet beaucoup utilisé pour faire des vidéos. Et comme moi, ici présent, je suis un mouton, bah qu'est-ce que je vais faire? Je vais en faire une vidéo. Bah oui. Alors, je sais pas si je suis le seul à l'avoir, mais moi, j'ai un mec dans ma salle de sport, le gars, il s'est inscrit pour aller à la douche. Je vous jure, le gars, il arrive, il va à la douche. Il fait deux pompes, il va à la douche. Il a fini, il va à la douche. Le gars, c'est une douche incarnée. Il passe plus de temps dans la douche que dans la salle. Il y a la douche qui coule dans ses veines. Oh, je me ferais bien une putain de grosse séance, moi, aujourd'hui. Ah, ah, ouf, ouf. Oh bah tiens, j'irai même taper une chiotte douche de ses morts, moi. Bon, après, il y a le fameux, le classique, hein, celui qu'on connaît tous, le gars qui te lâche des bons gros cris sa mère pendant qu'il fait son entraînement. Mais parfois, ça peut porter à confusion. Oh, 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 oh yeah, Johnson. Oh yeah, développé couché, j'aime ça. Après, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand on va courir avec un casque sur la tête avec la musique à fond dans les oreilles, on a toujours tendance à se sentir hyper classe, à croire que chaque fait et geste qu'on fera sera méga stylé. Alors qu'en fait... Bon, après, t'as le gars qui écoute sa musique tranquille ou bilou, mais tu vois dans son regard qu'il est persuadé que t'entends pas ce qu'il écoute. Alors qu'en réalité, le gars, il met sa musique à fond les ballons, toute la salle peut en profiter. Et je me suis dit, du coup, des fois, pour le gars qui est persuadé qu'on n'entend pas ce qu'il écoute, ça peut donner des situations assez marrantes. Oh yeah, give it to me. Higher. Eh, hey, pas mal ton son. C'est quoi le titre? Ce qui est vraiment merveilleux dans le sport, c'est que t'auras toujours quelqu'un pour te soutenir, pour te pousser à aller au bout de tes limites. 8 9 10 Tu fais quoi? T'en veux? Et au pire, quand t'as pas cette personne, tu sais toujours que t'as tes potes sur qui tu peux compter. Ouais, allô Pierrot? Non Clément, je t'ai déjà dit que j'irai pas à la salle avec toi, je déteste le sport, tu le sais très bien. Non Clément, c'est pas la peine, je t'ai déjà dit que je ne viendrai pas à la salle avec toi, j'ai trop la flemme. Bernard? Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Bernard, laissez un message après le bip. Et si c'est encore Clément, je t'ai déjà dit que je n'irai pas à la salle avec toi, arrête de forcer mon vieux. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo, si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like et un commentaire en disant ce que tu en penses. N'hésite pas à t'abonner, et sur ce, je vous dis... À la prochaine!